Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, vu que c'est la première vidéo que je fais. Donc, je me présente, je m'appelle Sylvie. J'habite en Suisse, entre Genève et Lausanne. Je suis passionnée de cosmétiques depuis déjà quelques années. Et j'ai décidé de vous faire partager cette passion. Vu que tout le monde me demande toujours les recettes, comme ça, ils les auront sous la main. Donc, aujourd'hui, je vais faire une recette de shampoing liquide, un shampoing facile. Vu que c'est ma première vidéo, je voulais pas commencer par quelque chose de trop difficile. Donc en fait, c'est un shampoing 2 en 1 qui va hydrater vos cheveux et les rendre tout doux. Donc dans cette recette, on aura besoin de la base consistance qui va faire notre base de shampoing. Ensuite, on rajoutera de la base douceur. Donc, c'est vraiment deux actifs en général qu'on met, deux produits qu'on met toujours ensemble. Ils vont de pair. Ensuite, je vais mettre la mousse de Babassu. C'est pour le côté moussant qu'on va rajouter ça. Après, on va mettre l'onéquate. Donc, l'onéquate, c'est un conditionneur et hydratant capillaire. Donc, c'est ça qui va aider vos cheveux à être encore plus hydratés et souples. Pour finir, on va mettre de l'acide lactique. Ça, c'est juste pour le pH, pour que le pH soit correct au niveau du shampoing. Je vais commencer par en mettre 6 ou 7 gouttes et ensuite je contrôlerai le pH. S'il faut en rajouter, j'en rajouterai. Et je vais mettre une fragrance. Donc là, j'ai choisi la fragrance douceur d'ange de Aromazone. Ça, c'est votre choix, quoi. Moi, j'ai choisi celle-ci, mais vous prenez celle que vous aimez, celle que vous voulez. Ça, c'est complètement égal. Pour simplifier les choses, j'ai déjà pesé toutes les quantités. Ça évite que vous deviez attendre pour que je pèse tous les produits. Donc en fait, là, j'ai déjà mis 32,75 g de basse consistance là-dedans. Alors elle est très épaisse, donc pas évident à faire descendre. On peut éventuellement la faire fondre un petit peu pour qu'elle soit plus liquide et que ce soit plus facile à la peser, à la récupérer comme ça. Ensuite, j'ai mis 32,75 g de base douceur que je vais directement d'ailleurs incorporer à ma base consistance. Donc c'est 32,75 et 32,75. Voilà. Je vais mélanger. Je rajoute 8 g de mousse de Babassu. Voilà, donc là ça rend tout de suite un petit peu plus liquide le mélange. On voit tout de suite un petit peu. Voilà. Ça donne une pâte encore assez épaisse, c'est normal. Ensuite, je rajoute 66 g d'eau. Voilà. Donc là, faire attention de ne pas non plus mélanger trop fort parce que vu qu'il y a la mousse, ça mousse vite en mélangeant. Voilà. Là, je vais rajouter mes 5,25 g d'onéquate. Voilà. C'est pas super bon, hein, l'onéquate. Et je rajoute 7 gouttes d'acide lactique. Voilà. Et ensuite, je mets la fragrance. Mais la fragrance, normalement, ils disent 1,3 g. Mais je trouve que ça, c'est personnel. On met la quantité qu'on veut, comme l'odeur qu'on veut. Il n'y
Il y a des gens qui aiment bien fort, il y en a d'autres qui aiment bien une odeur très légère, donc on met un peu comme on aime. Voilà. Donc maintenant, je vais aller prendre le pH de ma préparation et je reviens ensuite pour vous dire ce qu'il en est. Donc me revoilà, je l'ai déjà mis en bouteille. Donc le pH était de 6, donc exactement ce qu'il faut, c'est super pour un shampoing. Je vous donnerai des nouvelles à la fin du mois quand je ferai le bilan de mes produits pour le mois d'août. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt.